Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webcast dans lequel on va aborder le sujet des outils de pilotage de la qualité. Donc on va voir quels sont ces outils qui vont nous permettre de conduire finalement la démarche qualité au laboratoire. Donc on va s'intéresser tout particulièrement à quelques outils qui sont mentionnés dans la norme ISO 15189, sachant que ces outils sont aussi utilisés dans d'autres démarches qualité comme celle de la 9001. Et donc, on va ensemble essayer de répondre à ces objectifs pédagogiques. Donc, tout d'abord, connaître ces outils de pilotage pour améliorer les performances de votre laboratoire. Ensuite, être en mesure d'analyser l'environnement et les informations de manière méthodique. Communiquer efficacement sur les résultats de votre système de qualité. Et impliquer les collaborateurs dans la vie du système de management et le faire vivre au quotidien. Donc, pour répondre à ces objectifs pédagogiques, je vous propose que l'on suive ce plan. Donc, les différents outils que l'on va voir aujourd'hui, ça va être le plan d'action qualité, les indicateurs, la revue de contrat, l'enquête de satisfaction, et on fera une partie plus sur la communication avec deux éléments en particulier, donc la réunion qualité et la revue de direction. Donc, en guise d'introduction, la qualité, elle se pilote. Donc, que ce soit dans la gestion des événements indésirables, que ce soit le management de vos processus, mais aussi plus globalement, pour faire entrer votre organisation dans une amélioration continue. Donc, il existe certains outils qui vont vous permettre de faciliter cette gestion au quotidien. Et véritablement, le responsable qualité est le pilote du processus qualité et qui va au quotidien piloter son système. Donc tous ces outils vont lui permettre d'ajuster en fait sa démarche au fur et à mesure de son évolution et de redéfinir les besoins dès qu'il est nécessaire et notamment les actions qui seront à mettre en œuvre pour améliorer la performance et l'efficacité du système. Donc tous ces outils vont pouvoir aider le responsable qualité à vraiment sensibiliser ses collaborateurs et à les impliquer davantage dans le projet. Donc tous ces outils vraiment permettent de conduire la démarche qualité de manière efficace et dans son ensemble, toutes ces méthodes aident vraiment à la prise de décision. Donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, on va voir les principaux moyens de pilotage qui sont mentionnés dans la norme ISO 15189. Et on va commencer tout de suite par le plan d'action. Donc le plan d'action qualité, donc c'est ce par quoi on va commencer. Donc au départ, on a tout ce qui est formation du personnel en qualité, sensibilisation de la direction, mise en place d'une stratégie en matière de qualité. Et puis après tout ça, eh ben, on lit la norme et on se demande mais comment est-ce qu'on va pouvoir concrètement traduire toutes ces exigences en fait dans notre laboratoire, dans notre contexte. Donc cet outil de pilotage, c'est un outil assez commun, hein, mais aussi le plus important. Donc tout d'abord, tout part d'une analyse de la situation. Donc on va passer par des évaluations, on va faire des audits qui vont nous permettre d'identifier des écarts, des non-conformités, peut-être des problèmes auxquels on va réfléchir et identifier les causes potentielles, si ce sont par exemple des non-conformités qui n'ont pas encore eu lieu mais qui pourraient avoir lieu. On va réfléchir à tout ça et on va essayer de mettre en place des actions afin de les résoudre. Donc c'est tout ce qui est actions d'amélioration. Donc là, je vous parlais de la corrective, de la préventive aussi, et vous avez les actions curatives. Donc, à la suite de toutes ces actions, on va créer voilà, le plan d'action, le document en lui-même, qu'on va valider et surtout diffuser. Ce plan d'action, une fois qu'il est validé et diffusé, on va le mettre en œuvre et au fur et à mesure, il faudra bien penser à le mettre à jour parce que c'est un document qui est véritablement vivant. Et la dernière étape, je dirais, dans l'utilisation de cet outil, c'est surtout de mesurer l'efficacité et la conformité de vos actions. C'est vraiment en cela qu'on est dans l'amélioration continue, puisque on peut mettre en place une action et puis on se dit, bon, bah, voilà, c'est bon, la non-conformité est résolue, mais il faut vraiment faire l'exercice de se demander, eh bien, est-ce que cette action a permis de vraiment supprimer la non-conformité? Est-ce qu'elle est réapparue dans le temps? Est-ce que, elle a été efficace? Est-ce qu'elle a été simple à appliquer? Voilà, il y a vraiment comme un retour d'expérience à faire sur les actions mises en place.
Donc, je vous présente ici un exemple de plan d'action, donc un enregistrement en somme très simple. Donc, vous avez une première colonne avec un numéro. Ensuite, vous avez une deuxième colonne, l'intitulé de l'action. Ensuite, l'origine, le responsable. Donc, ça va être la personne qui va réaliser l'action, qui va en être voilà, responsable. Ensuite, vous avez deux colonnes donc pour l'échéance. Donc, quand est-ce que l'on doit faire cette jusqu'à quand on doit faire cette action. Et puis la deuxième colonne, donc quand est-ce qu'elle a ré véritablement été réalisée. Donc ça permet aussi de mesurer le retard entre guillemets, donc ça peut être un indicateur sur voilà, comment est-ce que vous avez avancé dans votre démarche. Enfin, vous avez la vérification de l'efficacité, donc comme je disais tout à l'heure, qui vous met vraiment dans cette démarche d'amélioration continue. Et puis une dernière colonne, commentaire. Donc j'attire votre attention sur deux points essentiels. Donc la première colonne, le numéro, pour le travail en fait en amont, pour prioriser vos actions. Donc vous allez avoir un certain nombre d'actions d'amélioration à mettre en place, mais c'est surtout, il faut surtout se demander, eh bien, est-ce que elle sera facile d'accès, est-ce qu'elle va me coûter, est-ce que j'ai assez de ressources pour la mettre en œuvre. Et en ce sens, vous allez pouvoir, voilà, prioriser vos actions et être le plus performant possible. Et le deuxième point, c'est l'origine. Pour chaque action que vous allez mettre en place, il faut vraiment qu'elle réponde à un objectif précis. Donc que ce soit pour répondre à une non-conformité qui aurait été relevée lors d'un audit externe, par exemple, ou simplement lors d'une évaluation, un tour du labo, vous remarquez, voilà, qu'il y a un problème. Eh bien, de toujours relier votre action à quelque chose. Votre plan d'action, comme je disais, il est évolutif. Donc, il va être alimenté par un certain nombre d'informations et de données. Et l'idée maintenant, c'est qu'on puisse voir eh bien, comment vous allez pouvoir collecter ces petites informations et ces données pour nourrir votre plan d'action qualité et donc dynamiser votre démarche. Donc, on va en voir trois. Donc, l'enquête de satisfaction, la revue de contrat et les indicateurs qualité. Sachant que ce n'est pas les seuls outils qui existent, vous avez aussi, comme je disais, toutes les évaluations, tous les audits, toutes vos fiches de non-conformité. C'est d'autres outils qui pourront vous aider à alimenter votre plan d'action. Donc tout d'abord, l'enquête de satisfaction. Donc la démarche qualité, c'est une démarche qui est véritablement orientée vers le client. Donc le client, ça va être une personne, une entité qui va bénéficier des prestations du laboratoire. Donc les clients peuvent être internes ou externes. Donc de manière plus globale, on va maintenant parler de parties intéressées pertinentes. Donc dans le sens où ça va être toute personne ou organisme qui peut soit influencer sur une décision ou une activité, soit être influencé ou s'estimer influencé par une décision ou une activité. Donc ça, c'était la définition qui est notamment donnée dans l'ISO 9000, version 2015. Donc par exemple, vous allez avoir les patients, les préleveurs internes, donc là, je pense particulièrement au personnel interne du laboratoire. Et vous avez préleveurs externes, donc ça va être tous les laboratoires avec lesquels vous collaborez, ça va être tout organisme, autorité réglementaire qui gravite autour du laboratoire, les fournisseurs, les prescripteurs, etc. Donc il est vraiment important de pouvoir mesurer cette satisfaction afin d'améliorer les services proposés. Donc l'idée, c'est de voir quels sont les points faibles du processus pour pouvoir mettre des actions en place et améliorer ces processus. Et bien sûr, il faut toujours s'assurer que l'on réponde bien aux attentes et aux besoins des clients. Donc les enjeux ici, ils sont multiples. Donc tout d'abord, c'est de travailler aussi l'image du laboratoire, piloter les objectifs véritablement autour de la satisfaction des clients et maintenir la confiance de ces personnes qui bénéficient des prestations du laboratoire. Donc, par ailleurs, dans la norme ISO 15189, le laboratoire doit répondre à une exigence, pardon, d'évaluer les retours d'information de la part de ses utilisateurs. Donc, c'est traité au niveau du chapitre 4.14.3. Et un des moyens les plus simples de collecter
ces informations, ces données sur la satisfaction du client, c'est l'enquête de satisfaction qui va véritablement donner un objectif, une vision objective sur la qualité qui est perçue par les personnes qui, voilà, utilisent les prestations du laboratoire. Donc, comment est-ce qu'on va mener cette enquête de satisfaction? Donc, les utilisateurs ou les clients, ce sont vraiment des sources précieuses d'informations pour l'amélioration continue des processus du laboratoire. Donc, une des premières étapes, c'est bien sûr de demander à qui on va poser ces questions de l'enquête, qui sont les clients les plus pertinents. Donc, on pense naturellement au patient qui vient au laboratoire faire son prélèvement et chercher ses résultats, les prescripteurs, donc les médecins, les cliniciens. Et on pourrait aussi penser à tout organisme qui pourrait investir dans le laboratoire. Donc, tout d'abord, l'enquête de satisfaction, c'est récupérer, collecter les retours des utilisateurs, donc s'intéresser à la qualité perçue, donc qu'est-ce qu'ils perçoivent des services du laboratoire, et de comparer finalement cette qualité perçue à la qualité attendue, donc à quoi ils auraient pu penser avoir. Donc pourquoi est-ce que l'on fait ça? Tout d'abord parce que c'est un excellent indicateur pour l'amélioration des processus. Qui va le faire? Donc en général, c'est le personnel contact avec le support du responsable qualité qui va s'asseoir avec son client, lui poser les questions. Donc ça peut se faire par téléphone ou en face à face. Quand est-ce qu'on peut faire l'enquête de satisfaction? Bon, la norme, elle ne dit pas exactement le nombre, la fréquence exacte. Moi, je vous en propose une. Donc, je dirais que c'est à peu près tous les 2 ans. Tous les 1 an, si vraiment vous avez les ressources pour le faire. Mais tous les 2 ans, c'est pas mal comme fréquence. Donc, comment est-ce qu'on fait l'enquête de satisfaction? Donc, globalement, il faut bien sûr que vous développiez une procédure. Donc, dans cette procédure, il faut bien identifier les objectifs de l'enquête. Donc, à quoi est-ce qu'elle va répondre? Quel type d'informations vous voulez collecter? Quel type de population? Sur quel type de process? Et le laboratoire va ensuite définir toutes ces modalités en fonction du type de client. Donc, il s'agit ensuite de bien formuler vos questions, de les structurer dans un questionnaire, et de définir les modalités de collecte de ces données. Donc, on peut aussi faire des tests au préalable sur votre questionnaire pour voir si les questions ont bien été claires. Est-ce que vous avez réussi à obtenir les réponses, des réponses qui vous permettent d'analyser votre service par la suite? Et donc, après que vous ayez fait ce test, il faut mettre le questionnaire en action. Et lorsque vous aurez terminé cette phase de collecte des données, il y aura bien sûr l'analyse de ces données, étape très importante, à la fin de laquelle vous pourrez rédiger un petit rapport pour le communiquer en interne, voire en externe. Donc, c'est une analyse plutôt qualitative qui va vous permettre d'une part d'identifier les points forts de votre système de management de la qualité, mais surtout de vos processus et prestations, et de voir aussi ce qui est apprécié par les utilisateurs et de déterminer, voilà, des points d'amélioration, les éléments qui peuvent provoquer l'insatisfaction des clients et des réclamations. Et le système de management de la qualité, il va vraiment agir à ce niveau-là pour apporter une méthodologie afin d'améliorer ce que vous aurez identifié. En dehors de ces enquêtes de satisfaction, il faudra aussi penser à la gestion des réclamations, donc qui sont assez libres, voilà, dans le sens où vous allez avoir des réclamations à tout moment. Et il faut aussi pouvoir développer une procédure pour les recueillir et les traiter. Donc, on a vu la satisfaction des clients avec l'outil d'enquête de satisfaction qu'on a vu rapidement. Sur la revue de contrat, vous avez déjà une vidéo webcast qui est disponible, donc que vous allez pouvoir retrouver facilement. Je voulais juste vous en parler et en dire quelques mots. Donc, elle est exigée au paragraphe 4.4.2 de la norme ISO 15189. Donc, c'est la revue de contrat de prestation qui est nécessaire pour s'assurer
que les prestations qui sont proposées par le laboratoire répondent bien aux besoins et aux attentes des clients. Et elle s'adresse principalement donc aux patients, aux prescripteurs du laboratoire ou à tout autre organisme avec lequel le laboratoire travaille. Donc les documents principaux qu'on pourrait citer, qui sont à prendre en compte dans la revue de contrat, notamment avec les prescripteurs, c'est le manuel de prélèvement et notamment le catalogue des analyses, qui sera à revoir de manière régulière. Enfin, dernier outil que l'on voulait vous présenter dans cette seconde partie, ce sont les indicateurs qualité. Donc là aussi, vous avez une autre vidéo sur notre chaîne où vous allez pouvoir vraiment balayer tout le sujet. Ici, hop, on revient un peu en avant. Voilà. Ici, simplement, j'attire votre attention sur l'utilité de ces indicateurs qualité. Donc ce sont des données quantitatives ou ça peut être des données aussi qualitatives qui vont vous permettre en fait d'avoir des données dans le temps qui donnent une indication sur la performance de vos processus. Donc ça va être notamment intéressant dans le processus opérationnel, donc pré-analytique, analytique et post-analytique, et de véritablement voir si vous avez pu atteindre ou non vos objectifs qualité. Donc c'est une exigence qui est définie au 4.14.7 dans la norme ISO 15189. Tous ces indicateurs qualité qui sont développés et sont vraiment utiles pour le responsable qualité et plus largement pour le laboratoire, car ils vont permettre d'orienter les actions, de revoir la stratégie et de surveiller l'efficacité du système de management de la qualité. Tous ces indicateurs que vous allez développer répondent bien sûr à des objectifs précis et dans la mesure du possible, ils doivent être smart, donc simples, significatifs, mesurable, accepté et atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc vous avez ici un exemple qui est affiché. Et donc ces indicateurs seront à piloter au travers d'un tableau de bord. Donc on a vu le plan d'action, on a vu comment on allait pouvoir l'alimenter grâce à des informations et des données. Et enfin, d'autres outils qui peuvent être utilisés dans votre démarche qualité, ce sont tous les outils un peu que je mets de communication. Donc on va parler ici de la réunion qualité et de la revue de direction. La revue de direction, donc c'est une réunion avec la direction qui est d'ailleurs est repris dans une autre vidéo plus en détail pour la méthodologie que vous pourrez visualiser par la suite. Juste rappeler ici que c'est un moment clé dans l'année parce qu'elle va vraiment permettre à la direction et aux responsables qualité ainsi que tous les pilotes de processus de faire un point sur les activités qui sont en lien avec le système de management de la qualité et globalement au laboratoire. Donc elle va donner une vision du niveau de qualité des différents processus et il s'agit alors de déterminer si le système de management de la qualité développé est toujours pertinent, adéquat et efficace par rapport à la stratégie et aux objectifs du laboratoire. Donc c'est dans cette revue de direction en amont au niveau de la préparation que les indicateurs qualité par exemple vont être traités et analysés. Et la norme est d'ailleurs assez exhaustive sur les éléments à prendre en compte pour la revue de direction. Donc ça peut vraiment vous servir de base pour construire cette revue. Donc c'est notamment au 4.15. Donc suite à cette revue de direction, donc un rapport est donc produit et communiqué aux collaborateurs. Donc il y a un certain nombre de documents qui feront peut-être l'objet d'une mise à jour, comme par exemple le plan d'action qualité, la politique qualité, éventuellement si certains objectifs étaient un peu ambitieux et qu'ils sont revus, ou d'autres qui ont été atteints et vous souhaitez en mettre de nouveaux, les tableaux de bord des indicateurs, etc. Donc ce qui est important ici, c'est que les décisions qui sont prises lors de la revue de direction sont bien enregistrées et communiquées aux collaborateurs pour pouvoir en faire le suivi dans leur application. Donc, afin de bien mener cette revue de direction, il est important de prendre le temps de bien la préparer en amont. Donc, ce que je vous disais il y a quelques instants, donc bien reprendre les différents éléments, les inputs pour cette revue de direction.
Et donc, toutes les décisions prises et les actions réalisées seront d'autant plus pertinentes que la préparation est bien réalisée. Enfin, la réunion qualité. Donc, cette réunion, elle se fait avec la cellule qualité. Donc, vous avez bien sûr le responsable qualité. Vous pouvez aussi avoir la direction qui s'implique, les différents pilotes de processus et puis différents profils. Donc, cette réunion de qualité, elle peut être faite assez régulièrement. Donc, ça peut être une fois tous les mois, ça peut être beaucoup plus court, une fois toutes les semaines. Enfin, comme cela vous paraît le plus pertinent, et elle va vraiment permettre de faire un point sur les actions qui auront été mises en place. Donc, encore une fois, je fais écho au plan d'action qualité. Donc, par exemple, de faire le bilan de qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il reste à faire, éventuellement mesurer l'efficacité des actions qui ont été mises en place. Cette réunion qualité, c'est un moyen, à mon sens, assez puissant pour sensibiliser les personnes à s'impliquer davantage dans la qualité, un moment d'échange sur les difficultés qui ont pu être rencontrées, éventuellement pour revoir certains points, d'éclaircir. Donc c'est vraiment un moment important, à mon sens. Et je finirai par dire que la circulation des bonnes informations et leur compréhension, c'est vraiment au cœur de la réussite du projet. Et donc, j'en reviens encore à la communication. Donc, tout au long de la démarche, il est très important d'assurer une bonne communication. Donc, il s'agit de considérer, au-delà de l'aspect rationalisant des outils de pilotage de la qualité, plutôt l'aspect humain, puisque l'objectif, c'est vraiment de susciter l'engagement et de pousser les collaborateurs à devenir acteurs dans la démarche. Et il est donc important aussi, en parallèle, de reconnaître les actions d'amélioration qui sont mises en œuvre et les bonnes pratiques. Parce qu'un projet qualité, c'est surtout un projet aussi de changement, parfois des pratiques qui sont vraiment ancrées au laboratoire. Et l'accompagnement au changement, c'est aussi, voilà, s'accompagne d'une bonne communication. Donc, pour communiquer et donner du rythme, donc comme je vous disais, il y avait les réunions qualité que l'on a vues. Vous pouvez également faire des choses un peu plus rapides, comme des flash infos pour partager des avancées sur le projet d'accréditation ou les grands accomplissements des différents processus. Donc, ce que j'ai pu retrouver dans certains laboratoires, c'était des tableaux qualité où étaient affichés les comptes rendus, des réunions qualité, la politique qualité surtout, quelques notes d'information, le plan d'action annuel qualité, voire même le tableau des indicateurs avec les résultats. Donc, vous pouvez le mettre dans un endroit qui est assez fréquenté pour que les personnes puissent voilà, toujours y penser. Donc la communication, bien sûr, voilà, on a un tableau de qualité ici, mais elle ne se fait pas que par le responsable qualité. C'est aussi l'équipe qualité au global. Et il faut pouvoir donner du temps et de l'espace aux différents collaborateurs pour partager leurs idées, leurs suggestions. Et c'est notamment un point qui est traité au 4.14.4 de la norme ISO 15189. Donc, pour finir sur cette présentation, deux points, je dirais, à retenir. Donc, tout d'abord, tous les outils de pilotage de la qualité sont principalement mentionnés dans le chapitre 4, exigences relatives au management. Donc, vous pouvez retrouver toute la mention de ces outils dans ce chapitre-là. Pour bien les utiliser, trois conseils. Donc, développer des outils qui sont pratique et en cohérence avec le travail. Tous ces outils de pilotage, tableau de bord, plan d'action, c'est très joli, mais il faut surtout que ce soit utile pour vous, que ce soit simple d'utilisation. Deuxième point, ce serait de former et de sensibiliser au maximum le personnel à l'utilisation et surtout à la compréhension de ces outils, puisque s'il n'y a que le responsable qualité qui l'utilise, on en perd tout le sens. Et enfin, l'objectif, c'est vraiment de développer autour de ça une vraie culture de la qualité, ancrer ces outils dans le quotidien du laboratoire, et donc finalement de standardiser les pratiques pour qu'ils soient véritablement intégrés dans la vie quotidienne du laboratoire.
Et nous en avons fini. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et n'oubliez pas, dans la petite description en bas, vous aurez le lien pour creuser les différents outils que j'aurai présentés. Merci.